Non mais ça c'est sûr que c'est ce connard de Romain avec son écriture de merde. Bon, pas ça. Quoi ? C'est où lui, c'est où Florian, c'est où lui, cette bande de racistes de merde ! On fait rien du tout. Non mais Mehdi, c'est grave là, tu peux pas laisser passer ça. C'est moi qui décide, on fait ce que je veux. Tu sais que t'as juste à dire que c'est Romain et c'est fini, genre il est viré, on n'en parle plus. Et ça va retomber sur qui ? Sur mes parents et sur moi, on efface ça et personne ne l'aura vu. On efface le taxon. Je vais chercher une éponge. Mais bon, c'est important. Ouais. Ouais. Allô ? Oui ? C'est Delcroix. Putain, mais c'est quelqu'un, Mehdi. Ok. À demain. L'assistante de Delcroix. Ils sont intéressés par notre appli. Du coup, il faudrait qu'on dépose un brevet et demain, je reçois un contrat. C'est vrai ? Non ! Putain, mais t'es une star, toi ! Alors, il va falloir qu'on se bouge parce que le tracteur, il s'allume, mais il roule pas encore. Ah non, mais t'inquiète, ça va rouler tout seul. Bon, t'as réfléchi à ce que je t'ai dit ? Tu peux commencer à les nourrir les veaux, je te rejoins. Mais franchement, vous êtes relous tous les deux. Vous voulez pas vous parler là une bonne fois pour toutes ? Mais c'est ton frère là, qui veut pas me parler. Oui, ben en entendu, je suis excusé, papa. Bon, ça y est, c'est encore mon procès ? Et quand c'est pas ta mère, c'est toi, quand c'est pas toi, c'est ta mère. Moi, j'ai la tête comme ça, à force. Non, mais forcément, faut qu'on se bouge, sinon vous êtes capable de plus jamais vous parler, papa. Bon, c'est bon, j'ai compris. Tiens, je vais lui écrire pour me faire pardonner. Ça te va comme ça ? Quand ? Je sais pas, bientôt. Vraiment, hein ? Promis. Bon. C'est ici les cours de cuisine ? Et là, le mec me dit que jamais de la vie je ne sais faire un cheval. Tu te rends compte ? Ah oui, grave. Et du coup, je pense que je l'ai jamais fait aussi bien et aussi vite de ma vie. Juste pour qu'il se mange son seum, là. Et ben voilà. 46 degrés. Pas un degré de plus, pas un degré de moins. Faut être hyper précis, tu vois. Tu m'écoutes pas du tout, meuf. Bah si, si, je sais que tu sais faire un cheval. T'aurais vu la gueule du mec. Je te jure, c'était magique. Je pense qu'il a jamais imaginé qu'une meuf peut faire ce qu'il fait tous les jours, tu vois. Ok, donc là, on va arriver au moment super délicat du truc, où faut ensemencer le lait avec les ferments lactiques. C'est des petites bactéries, comme ça. C'est pour donner de la consistance et faut être super prêt. Enfin bref, c'est là qu'on a commencé à faire, on a commencé à baiser dans l'écurie. C'est pas vrai. Mais si, il y a même Basile qui est venu, sympa que la famille se joigne à nous. Attends, laisse-moi juste tester ça. Mm-hmm. C'est trop bien, j'ai réussi. Bref, tu m'écoutes pas du tout.
Bah si, si, mais je t'écoute de ouf, je suis juste un peu concentrée, excuse-moi, mais là c'est des milliards de micro-organismes dont je m'occupe. Cool, cool. Va être un peu délicat quand même. Mmh. Donc ça te dérange pas que je fasse un plan à trois avec Basile? Attends, quoi? Mais je rigole, meuf, juste tu m'écoutais pas depuis tout à l'heure. Ah ouais, non, là, clairement je t'écoutais pas, là. Tu m'as fait flipper, l'angoisse. Bon, on les goûte quand, tes yaourts? Ah bah ça, c'est pas avant demain, hein. Tu reviendras? Et j'ai vu qu'il en restait un peu. T'inquiète pas, je m'en occupe, va dormir.